Suivant sur le plateau de notre émission. Et si on en parlait, pour cette émission, nous recevons un artiste talentueux, un artiste de qualité qui va rentrer dans quelques heures, je dirais, dans la cour des grands,
Il va y entrer sans aucun souci. Et il s'agit de la dédicace de son album. Et lui, le nom, c'est l'artiste La Voix Rodée. Voilà, il est accompagné de son manager d'Endemans. Et puis aussi, on recevra sur ce plateau son communicateur du nom de Moucharaf Flié. Voilà. Et c'est eux qui vont mieux nous situer sur la tenue de cet événement. Voilà. Alors, je vais dire un bonsoir à l'artiste La Voix d'Or. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Puis merci d'avoir choisi la radio-télévision Presse Web pour le passage en ce qui concerne votre dédicace. Voilà, on est en Web, on est vraiment en Web, on est sur le plateau de Web. On reviendra tout à l'heure dans la langue française, mais on va aller en Web tout à l'heure. Tu vas saluer toute la population Web en Web. Dandemans, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, c'est le manager qui accompagne son artiste. C'est une fierté pour nous. Dandemans, c'est un fidèle internaute. Dandemans, comme je te l'ai dit, dans quelques heures, nous allons reprendre notre émission de prière des matins. Et merci beaucoup. C'est une première que nous te recevons sur ce plateau. Ça permet quand même à tous les internautes de découvrir Dandemans. Quand on dit Dandemans au travers des émissions radiophoniques, c'est Dandemans qui est là. Il est le manager de l'artiste La Voix d'Or. Voilà. La voix rodée. Voilà. Alors, La Voix rodée, avant qu'on ne découvre ta voix qui est rodée, alors, tu vas saluer tous les ouais. Tous les ouais. Tu vas les saluer en ouais. Tu as la parole. Gede jitru da neji gede jitru mame ale o gede jitru da neji de gbe po gawo ina da neji gede jitru ko la fati e ji ke wo mame ale o ji ke wo da neji o de flase ji ke wo du la fati o fatu de za o da neji ina wa poju ke da ma yan ko bla ina ke nya sana ka na to anu anu e ina wa ji bla so ba po ewu eji. D'accord, ok. Merci beaucoup. Voilà, alors ça c'est une entrée en matière. Tout à l'heure, on reviendra, on va ensemble, hein, comme vous me connaissez, on va ensemble vraiment découvrir la qualité, comme l'a dit la voix rodée de l'artiste, comme l'a dit son manager, Dandemans. Voilà, alors tu n'as pas encore salué, hein, tu as fait a cappella. Alors tu vas maintenant les saluer en vrai. Ao, Machena Kadeyo. Webru aye gba pofu ranwo man so nyo zaka ebenyeso deso nyo amadi gba ebenyeso man abaju keje o ja so sia mo ja bo benyese o a gede jitru maba ase fatu desia ase o mama ase a mama ren casual ga yon diza yido poste nwo ase o mama ase. Ah, oh, ma productrice, maman Bernadette. Tak manye, ah, mouye yo, mouye ya, mouye ya, ini yo. Abase, me ma dia ou. Men, ka, men, ah, ou mwot, pas sonde, ba wè zon zi an zi an, wè zon mwon ja zi an, wè nè zon ja, benye zon ja zi an, ka. Men, zi an, ya bo se po, se po, ame ma po avu, a bo se po, mwo, a bo se o. Maman, dan jweze, edo, tak manye, mouye yo, ase o, ase. Voilà, merci beaucoup, La Voix Rodée. Alors, je vais dire bonsoir à Maman Céleste, une voix qui a beaucoup d'amour et de tendresse pour les artistes tradis modernes. Ouais, bonsoir, Maman, depuis ta position géographique. Reste béni, fils du Zarabon, voilà, avec ce message qu'il donne à Dandemans. Alors, salut, mon frère, merci pour tout ce que tu fais pour nos artistes. Voilà. Alors, notre spécialiste Rodrigue va nous donner la lumière, encore doubler la lumière. Merci. Alors, je salue Paul Goulei. Merci beaucoup, Rodrigue. Je salue Paul Goulei. Voilà. Et puis, Flo Labenguis. Ah, tu étais déjà là d'ailleurs, en étant en essai. Merci beaucoup d'être là. Et puis, Bertrand Brian soutient mon artiste. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Dandemans, manager de l'artiste La Voix Rodée. Nous sommes sur ce plateau. C'est pour parler de quoi? Ok. C'est pour parler de la dédicace de l'artiste, La Voix Rodée.
c'est pour faire appel à toute la population web, pour dire l'artiste Lava Rodé sort son album, son premier album, le samedi 13, de 19h à Loup. L'artiste, vraiment, il a fait un beau travail. Et le web va pas regretter, comme il le fait toujours. L'artiste a fait sortir une danse qu'il va faire changer. Il va faire changer la manière de danser. Et donc, il y a une nouvelle danse qui arrive. Il y a une nouvelle danse qui arrive. D'accord. Alors, cette danse-là, quel est le nom de cette danse qui arrive que le web va danser bientôt? Le Zimantoto. Le Zimantoto. Ouais, aux Arabons, il y a beaucoup de danses. On a une danse avec Kézaï, le Zéi, et maintenant on parle du Zimantoto. Zimantoto. Ah. Voilà, bientôt on va danser la nouvelle danse 2021, Zimantoto. Voilà, Zimantoto. Là, ce n'est pas le Arabon seulement, c'est tout le peuple web qui va danser la danse Zimantoto. La danse. Même, ça va traverser le peuple web, même si tu n'es pas web, tu vas danser la danse Zimantoto. C'est pour tout le monde. En tout cas, préparez-vous en Europe pour entrer dans cette nouvelle danse, le Zimantoto. Alors, la voix rodée, le Zimantoto, pourquoi tu as décidé de mettre en place une danse, le Zimantoto? Le Zimantoto, comme Zing Pagia. Zimantoto. Alors, là tout à l'heure, on va voir comment est-ce que le communicateur va nous faire le Zimantoto. Le ciment, Toto. Pied, devant, derrière. Alors voilà, alors, Chino de Goléo. Alors, le ciment Toto, il faut t'apprêter à le danser. Mon désir, taille, taille. Voilà, mon désir, tu dis, tu as tout son encouragement. Alors, mon désir, avec la voix rodée, il y a une nouvelle danse qui va vraiment propulser encore les choses 2021, le ciment Toto. Et là, si tu veux danser le ciment Toto, comme l'a dit son manager, le rendez-vous, c'est le samedi 13. C'est-à-dire après-demain. Le samedi qui arrive là, le 13. Et puis, c'est où? Au Monzato. Au Monzato. Complètement Monzato. À partir de quelle heure? À partir de 19h à l'eau. Jusqu'à l'eau. Oui. Ok. D'accord. L'entrée est payante. Oui, l'entrée est 1000 francs. 1000 francs seulement. C'est pour faire plaisir, ouais. D'accord. Et on n'a vraiment pas voulu faire ça aussi cher que ça. Oui. D'accord. Voilà. Alors donc, je vais réannoncer pour dire que ce samedi 13, je pense que ce portable-là, il faut le récupérer, puis tu ne savoir comme ce soit. Mais carrément, tu l'étais. Voilà. Alors, comme je le disais, ce samedi 13 mars 2021, c'est dans la commune de Yopougon, à l'espace Le Mont Zatro, à partir de 19h jusqu'à l'aube. 19h à l'aube. Au Mont Zatro de Yopougon, la dédicace de l'album de l'artiste La Voix Rodée. L'entrée est payante, c'est 1000 francs pour permettre même aux plus petits, à vos enfants, de venir découvrir La Voix Rodée. On a eu la dédicace des artistes La Voix d'Or, on a vu La Voix Luxueuse, mais maintenant là, il s'agit de La Voix Rodée. Une voix rodée, elle est plus puissante qu'une voix d'or, si je ne me trompe pas, manager. Si, si. Merci beaucoup. Alors donc, on vient pour prendre part à la dédicace de l'album de l'artiste La Voix Rodée. C'est un album de combien de titres? On en parlera tout à l'heure avec le communicateur. Alors donc, l'entrée, comme l'a dit son manager, c'est 1000 francs. Et puis le CD sera combien? Bon, le CD, c'est 2000 francs. D'accord. D'habitude, on fait le CD à 3000, mais pour cette fois-ci, c'est pour un cadeau pour nos parents, ouais. D'accord. Voilà, c'est un cadeau pour nos parents, ouais. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, vous savez qu'aujourd'hui, il faut se battre. Il faut se battre avec les moyens que nous avons pour faire vraiment avancer nos artistes et puis la musique tradie moderne. Ouais. La chance que nous avons, comme je l'ai dit, on a la chance d'être un peu mis à part, je dirais, par le créateur, à cause justement de ce qu'il a donné au peuple, ouais, le don de chanter. Ça, il faut le dire, le don de chanter. Ce qui nous manque, c'est comment nous devons faire en sorte que nos artistes traditionnels puissent dominer
hein, puissent dominer l'échiquier du showbiz même en général même. Avant de parler du showbiz, ouais, mais chaque chose a son temps, ça vient, on y va tout doucement. Voilà. Alors c'est la voix dorée, la voix rodée, la voix rodée. Alors vous voulez voir que la voix est effectivement rodée, la voix rodée. On va faire un essai de voix rodée parce que déjà il y a Claude Davila. Claude Davila, bonsoir, merci beaucoup. Voilà, Bayognon, la Daignaise, merci beaucoup d'être là. Voilà, le communicateur est là, Flié, il est là. Flié, son nom aussi est dense, hein? D'accord. Moucharaf, Flié de Nizeni. Sur le plateau, on va se cuisiner tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà, alors, Mani Nyambe Paul, merci beaucoup d'être là. D'accord. Allez, Manaya, dans des membres, dit tu fais beaucoup pour les, on dit tu fais beaucoup pour les artistes. Et c'est pour cette raison qu'on dit dans des membres. Merci beaucoup. Mais il sanctionne aussi, hein. Ça, il faut le dire. Voilà, alors la voix rodée, c'est le samedi 13 au Monsato, à partir de 20h jusqu'à l'eau. L'entrée est payante. Pour venir voir l'album de la voix dorée, l'album va coûter spécialement ce jour-là 2000 francs. La voix dorée, je vais te donner la voix rodée. Je vais te donner des noms et puis tu vas roder ces noms-là. C'est ça? Tu vas roder pour que ces personnes-là soient convaincues que moi, je n'ai pas reçu un artiste comme ça sur le plateau. Quand il dit la voix rodée, sa voix est vraiment rodée. Et il n'y a pas deux voix rodées en Côte d'Ivoire, ni dans le peuple ouais. Voilà, tout le monde a la voix pour chanter. Mais celui qui a la voix rodée, là, c'est l'artiste, la voix rodée. Et le samedi 13... à partir de 20h au Monsatro, c'est dans la commune de Yopougon, non loin de la place PS à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit toujours, la Côte d'Ivoire, c'est d'abord le pays des ouais, et puis ensuite, ça devient le pays de tout le monde. Voilà. Alors donc, la voix rodée, tu vas faire un acapella. Un acapella. Rodée même. Vas-y, tu vois. D'accord. Alors, je te donne des noms. Hein. Commence, et puis je te donne des noms. Commence. Tiens, Daniel, moi, c'est un groupe. Audible. On va maintenant avec Fils Arabam. Alors, adia. Fils Arabam, on va adia. Fils Arabam, on va adia. Ganadi est tout au ripoké. Ni un petit peu de temps, moi, je vais m'en boquer de l'ivoire. On a déjà parlé dans un mot du haut. Adia, au ripoké, ça me dit, et met la voix à Dionson. Moi, Dionson, de l'ivoire, d'ailleurs, dit, mon peuple, vous savez, de l'ivoire, à son temps. Très bien. Maintenant, on va avec Bertrand Béan. Tiens, Bertrand,
Bon, on continue, on va te rôder. On continue avec Maman Célestine Voix depuis Paris. Samedi 13 mars 2021 de 20h à l'aube à l'espace Le Mont Zatro de la commune de Yopougon, non de la place EP1. Et puis l'entrée c'est 1000 francs, la dédicace de l'album de l'artiste La Voix Rodée. La Voix Rodée, on continue, tu es trop puissant. On va avec Chino de Golo. Chino de Golo, Mais yo sa blé soda go blé wa aye. Ah, si no de masa yi moka, anese ablon, ablé son go blu, ye de nyai mu, anese ablon, ablé bugo, blu ye le nyai mu, nyai mu, nyai mu. Si no da ne ye yi bla, anu ye ya ba ya do na de bla go nya. Zika zika po ye go wa na. Ta mo mo ra mo se pa ga ke ye blé, una me pa ga na do ga go yi ni ani ya. Si no de go lo bo di o ba go ri mu, pa fo yi. E na ko ri ye si. Mo je se mo ja de wa wi, una si ma toto bla bo se ya ke. Non, pour que l'on ait un an, que l'on ait un peu de temps, il y a un peu de temps, amour. Très bien. En tout cas, je rappelle encore que c'est le samedi 13 mars 2021, de 20h à l'aube, à l'espace Le Mont Zatro de la commune de Yopougon. L'entrée, c'est à 1000 francs seulement. Le CD sera vendu spécialement ce jour-là à 2000 francs. C'est dans la commune de Yopougon, comme je le dis. Et nous sommes à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire demeure toujours le pays des ressortissants. Ouais. Il faut que vous venez nombreux, venez massivement pour prendre part à cet événement très important, la dédicace de l'album de l'artiste La Voix Rodée. La Voix Rodée, vraiment, on dit on continue avec Diane Esther Zon. Ressortissant ouais, de la commune de Yopougon, Port-Boué, Trècheville, Cocody, Koumansi, Abobo, Vridi, dans les 10 communes d'Abidjan, mobilisez-vous, nous sommes à quelques heures de cet événement et retenez encore la date, samedi 13 mars 2021, de 20h à l'aube à l'espace de Mont-Zatro. C'est dans la commune de Yopougon, non loin de la place CP1. Le rendez-vous est pris, ne ratez vraiment pas cette occasion. L'entrée, c'est à 1000 francs. Il y a des entrées de 15 000, de 25 000 au Palais de la Culture, tout ça. Pour le moment, nos artistes sont à des modestes sommes, 1000 francs, mais le temps vient où les entrées vont seront à 15 000, 25 000 francs. Profitons de ces premières dédicaces-là pour pouvoir vraiment savourer la qualité de nos artistes. Le rendez-vous, comme je l'ai dit, c'est le 13 mars 2021. Dans demain, la danse qu'on va danser ce jour-là, comment on appelle ça? Le Zimantoto. Le Zimantoto. C'est cette danse-là que nous allons danser. Le Zimantoto. Voilà. Dans demain, c'est le manager de l'artiste La Voix Rodée. Alors, La Voix Rodée, on va encore en acapella avec Maman Dike Nicole. Dis donc, oui, ça va pour elle, ça va pour elle. Après, il y a un peu de temps. Ne pas les unis à eux, unis à eux. Maintenant, unis à eux, unis à eux. Quand ils ont des unis à eux, unis à eux. À quoi nous nous avons des unis à eux. 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 Nous avons des unis à eux.
Formidable. J'ai dit que moi j'ai dit, il y a une chose qui est certaine. Il ne s'agit pas de recevoir des artistes sur le plateau parce qu'il faut les recevoir. Il faut recevoir des artistes de qualité pour que au-delà du peuple, ouais, tout ce qu'on a, les baoulés, les bétés, les gourous, toutes ces ethnies qui nous suivent là, découvrent que on a vraiment des artistes de qualité. Alors quand moi je dis un artiste est de qualité, c'est que vraiment c'est certifié. Vraiment c'est certifié. Lavoir on dit, tu es un artiste talentueux. Tu es un artiste de référence. Tu es un artiste de qualité. Tu es un produit à vendre au plan international. Alors donc, vous qui faites partie des artistes en Europe, voilà un produit qui peut secouer le sol de la France. Découvrez la qualité de sa voix. Et s'il n'avait pas rodé cette voix, quelle voix on aurait eu? Mais regardez comment il a pris de son temps pour la roder. Et il n'a pas voulu se donner un autre surnom. Il pourrait se dire qu'il s'appelle les étoiles du ciel, les étoiles de l'ouest, tout ça. Mais Dieu lui a dit, ta voix est trop top. Donc, il faut que tu portes le nom, la voix rodée. La voix rodée, je suis fier de toi. Oh, je suis fier de te découvrir. D'accord. On va aller avec Claude Davila, a cappella. Yeah, Fala Davila. C'est vraiment... Non, mais quand tu chantes là, je suis pressé pour que le 13 arrive. Mais tu étais où, la voix rodée? Tu étais où auparavant? Tu étais caché quelque part? Oui, j'étais au village. Mm-hmm. D'accord, je l'ai tellement rodé, je l'ai rodé. Hein? Mais on va le roder parce qu'il a encore 48 heures. Et là, ses managers, eux-mêmes, ils sont dépassés. Donne-moi. C'est un artiste qui est de qualité, il faut permettre qu'on le découvre au plan international. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Voilà, parce que Dandema n'est pas manager de n'importe quel artiste, c'est des artistes de qualité. D'abord, Rodé, ça peut aller? Merci beaucoup. Alors, on va aller en acapella avec Marie-Esther, elle est opératrice économique, elle a un grand maquis à la psychologie, et Marie-Esther... Je sais que tu seras à ce grand rendez-vous. A cappella. Non, Manon, dis-le. Marie, est-ce que Manon, adieu. Est-ce que Manon, adieu, yé bleu. Et non, ma, tu vas pas y moquer. Tu n'as pas bleu, tu sais, tu vas pas pour abla. A pas non, moi, je sais pas, moi, je vais pas te mettre mon nom. Est-ce que Manon, il est arrêté? Oh non. Et non, tu m'as mis là. N'est-ce que j'ai un mot de bon, papa Boni, à sa maman, d'être bon, y'a que. Tu n'as pas bon, n'a pas besoin d'être bon, non. Don't you too tired, say I didn't wait yet. And selling it too tired. Oh, I want a wild blue idea, oh, minor. And you in his out, minor day. Then are you in his out, in his out. Then are you in his out, in his out, yeah. Non, vraiment, Marie-Esther. Alors, je vais dire qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de tourner à vos noms, vous partagez en même temps.
Hein, vous comprenez, vous partagez en même temps et que vous partagez au maximum parce que la distance qui nous sépare entre vous et puis l'artiste, vous n'avez pas la possibilité de jeter les billets. Alors donc, la capacité que vous avez, c'est de partager au maximum cette émission pour que ceux qui sont encore au travail ils puissent regarder ça après, partager au maximum. Marie-Estelle, je sais que tu sais à ce grand rendez-vous. Ange Dieu, depuis ta position géographique, toi, les artistes chantent toujours ton nom, donc aujourd'hui là, ton nom ne sera pas chanté, hein? Parce que là, si il chante ton nom, tu vas payer cher. Voilà. Alors, Randy Manaja, voilà, alors voilà, tu as ton collègue qui est là avec moi, Dandeman, le tout puissant manager d'artiste Tradi Modern Way. Il est le manager de l'artiste La Voix Rotée. Voilà. Dieu est en train de faire de grandes choses, hein, avec nos artistes. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Alors, La Voix Rodée, on y va toujours. Alors, Mathieu Oli, communicateur fouetté. Mathieu Oli, il est adjudant de la police. Il réside à Bassam. Il peut venir à cette cérémonie de ce samedi 13. Il peut venir. Alors, a cappella pour Mathieu Oli. Ça veut dire non, quoi, vous voyez, dit. Tous les sacs, ils ont la voix, 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 Mathieu, non, cérémonie. Non, il a tout raté. La Voix Rodée. Non, vraiment, l'artiste est bien. Alors, La Voix Rodée, on va aller encore, on va roder cette voix. On va avec Maître Jean-Marcel Via. Il est greffé au tribunal du plateau, je crois. Il peut venir à cette cérémonie. Maître Marcel Via. A capella. Marcel Via. Merci beaucoup. Alors, tu vois, ça montre que actuellement tu es suivi et ça montre que tu es suivi, ça montre que tu es un artiste de qualité vraiment. Tu comprends? Et ça, c'est une fierté pour toi d'être suivi comme ça, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, on va revenir, tu vas te reposer un peu. Tu peux mettre tes verres là pour que les femmes là, les filles de Yopougon puissent voir. Voilà, mets les verres. Il va mettre maintenant les verres. Voilà, ça c'est pour séduire. Voilà, il va séduire. Très bien. Non, beau garçon. Nos artistes, ça, il faut que je vous dise. Ce qui fait encore la différence entre nos artistes et puis tous les autres artistes, nos artistes ont toujours un look impeccable. Ils ont toujours un look. Remarquez très bien, nos artistes ont toujours un look impeccable. Et puis, ils sont toujours propres. De leur chapeau aux chaussures, ils sont toujours propres. Ça, vraiment, ça là, on peut en être fier de nos artistes. Ils sont vraiment propres. Avec un style super. Il n'y a pas un artiste qu'on reçoit ici qui n'a pas un style impeccable. Il n'y en a pas. Et ça, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, j'ai dit aux Ivoiriens et on dit à tous ceux qui ne sont pas des Ivoiriens, les artistes tradis modernes, ouais, c'est des artistes à féliciter. Parce que nos artistes, ils font vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire en termes d'art, en termes de musique. Ils font vraiment notre fierté. Alors, La Voix Rodée, non, mon fils, tu vas aller loin, parce que tu es un artiste de renom, tu chantes très très bien, voilà. Alors, dans demain, je vais revenir encore au manager, et cette fois, vraiment, tu vas lancer ton appel en ouais, tu vas dire vraiment à tous arabes,
et à tous les ouais, parce que c'est pas le Zarabang qu'on veut voir là-bas, n'est-ce pas? Demande à tous les ouais d'être à ce grand rendez-vous. Ça lance ton appel en ouais. Ao Machiavouan, mon diabo, à Boussé, à Oudier Beye, à Mouanio, mon gaga, mon équipe, ben il m'a sévéré. Et bien, bon, bla 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 bla, blomba, n'aïe, n'aïe, dans des mains. Mais si adieu, les mains dans des mains. Mon dans des mains, mon d'abord, mon guébou à camba, qui va guébou à quoi, ou biba, à quoi, ou biba. Mon d'abord, samedi 13. Donc, je vous ai dit, le monde a trop de l'amour à vous, à me manger de mon âge. 13 mars. 13 mars. Voilà. Avant guébou à quoi. À vous dire, voilà, des voyages, il y en a. Voilà, voilà, ah, bah, le paquet doit être sur un diable, le paquet doit être samedi. Ah, bah oui, bah, non, mon lait. Mais la voix de marraine, maman casuel, ah, gawate, assez à bout. Mais samedi, mais à nos mots à trop, ouais, car à nous a dit de côté bas, ouais, à moi, appelé en sous. Anyway, maman Blessou Bernadette, Lidou, la productrice, car à partir de ma bonne époque, mais ça me dit, mais le monde a trop là. Ouais, tu as pour tout pour toi, nous en kina. Ouais, d'ailleurs, on nous a qu'il y ait des zones là. Ouais, oui, tout. Ma bonne web, le aïe pas. À part moi, moi. A vous dire, à Zimatoto de Zimatoto, très bien. Alors voilà, mon technicien va permettre au manager de céder sa place à son communicateur. Voilà, merci beaucoup, technicien. Nous en sommes vraiment très très fiers. Et comme je le dis, retenez que c'est ce samedi 13 mars 2021 de 20h à l'aube à l'espace Le Mont Zatro de la commune de Yopougon, Sikoji, nom de la place CP1, la dédicace de l'album de l'artiste talentueux, l'artiste de référence qui se nomme l'artiste La Voix Rodée. Il faut que nous soyons vraiment mobilisés pour que cette cérémonie soit un succès total et une réussite parfaite. Voilà. Alors, chers communicateurs de l'artiste, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup d'accompagner votre artiste. Je voudrais vous dire encore merci. Et puis, communicateur, on va connaître qui sont les officiels qui sont autour de cette cérémonie, les officiels. Déjà, merci bien. Je remercie les vous qui permettent à l'artiste aujourd'hui de pouvoir se faire voir au-delà de nos frontières. Déjà, c'est d'abord ce merci pour vous. Les officiels pour cet événement, c'est-à-dire nous avons déjà bon, la productrice, déjà qui est déjà une personne de renom qui est Blessant, maman Blessant Bernadette. Qui? Maman Blessant Bernadette. D'accord, maman Blessant Bernadette est la productrice de l'album de l'artiste La Voix Rodée. Et nous voudrions dire à maman Bernadette Blessant, c'est ça? Oui, c'est vraiment, bien. Maman, que Dieu te bénisse. Nous sommes vraiment très heureux et fiers de l'acte que tu as posé. C'est vrai, cette somme pouvait servir à beaucoup d'autres choses, mais tu as bien voulu sacrifier cet argent pour produire un artiste. Mais je vais te dire que l'acte que tu as posé, tu seras richement béni, tout simplement parce que la Bible dit que Dieu, là, il siège dans la louange. Donc, tous ceux qui investissent dans la louange, là, ils ont toujours la bénédiction au centuple. Que Dieu te bénisse au centuple. Il faut continuer de soutenir la carrière de l'artiste. C'est son premier album que tu as déjà soutenu. Tu vas encore le faire pour son deuxième album. Tu vas encore le faire pour le troisième album. Mais déjà, ce que tu as fait, le peuple ouais dit que Dieu te bénisse
et nous sommes vraiment très très fiers. Merci pour ce cœur grand, ce cœur généreux que tu as, que tu as eu pour notre frère, pour l'artiste. Merci beaucoup. Voilà. Et avec qui encore? Bien évidemment, il y a un cœur généreux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et après la productrice, nous avons déjà le président de la cérémonie qui est monsieur Deguitou, Gay Deguitou René. D'accord. On connaît le nom de Deguitou. C'est le patron de la cérémonie. Le patron de la cérémonie, disons. Comment il s'appelle? Gay Deguitou René. Gay Deguitou René. Voilà. Le patron de cette cérémonie est monsieur Gay Deguitou René. Voilà, monsieur Gay René Deguitou. Je peux le dire ainsi, monsieur Gay René Deguitou. Alors, vraiment, grand frère, oncle, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté modestement d'être le patron de cette cérémonie. Nous sommes vraiment très, très contents pour cette acceptation. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, grand frère. Que Dieu te bénisse, oncle. Et continue toujours d'être toujours ouvert chaque fois que vraiment ces jeunes frères te solliciteront pour être le patron, le parrain, quoi que ce soit pour cette cérémonie. Merci beaucoup. Nous avons quel officiel encore? Merci déjà encore. C'est comme si déjà vous maîtrisez l'artiste mieux que nous. Voilà. Et il faut dire que l'artiste a beaucoup de chance parce que toutes ces personnes qui l'entourent sont des personnes vraiment connues, sont des personnes qui ont l'habitude de donner sans attendre. C'est ça. Nous avons maintenant la présidente de cette cérémonie qui est la maman Jocelyne Douarouf, que tout le monde connaît. Ah, bien. D'accord. L'honorable. Oui, l'honorable. D'accord. Que tout le monde connaît très bien. La maman au cœur d'or. Effectivement, elle est la présidente de la cérémonie. D'accord. En tout cas, maman, je n'ai pas grand chose à te dire parce que tu es une servante de l'Éternel. Et là, merci pour la bénédiction que tu as apportée à ton artiste. Je pense que cette bénédiction va le suivre jusqu'à sa douce et bonne vieillesse. Dieu te le rendra au centuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miracle. On est ensemble. Effectivement, comme il le disait, si on veut lui dire merci, on ne finira jamais. C'est une servante de l'Éternel. Il fait que faire des bonnes œuvres. C'est ça. Et nous avons aussi la marraine, qui est la maman Kajouel, qu'on appelle communément Kajouma. La maman Kajouel. Kajouel. C'est ça. Kajouma, que tout le monde ici connaît. Donc vraiment. C'est elle qui est la marraine de cette cérémonie. C'est la marraine de cette cérémonie. Vous dites que l'artiste est vraiment très bien entouré. C'est ça. En tout cas, maman Kajouel, c'est ça, maman Kajouel. Oui. Merci beaucoup, maman. Tu es la marraine de cette cérémonie. N'est pas marraine qui veut pour une cérémonie de taille. Il faut que ça soit effectivement maman Kajouel. Quand tu es une femme au cœur grand, on a plus la chance avec toi. Merci d'avoir accepté d'être la marraine de cette importante cérémonie qui va se tenir ce samedi 13 mars 2021 à l'espace de Monsatro de 20h à l'aube. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être la marraine de la dédicace de l'album de l'artiste La Voix Rodée. C'était des artistes qui sont dans l'ombre et qui sont vraiment préparés dans l'ombre, que tu as accepté d'être la marraine qui sort. Et ça, c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne. Et c'est le ministère de la Culture et de la Francophonie qui gagne encore plus. C'est la promotion de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, maman. Alors, on a encore d'autres officiels? Oui, avant de finir, il faut dire que ne faut pas oublier de souligner ce petit point. Toutes ces personnes citées sont des personnes qui ne vivent pas, même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui, autour de la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est depuis l'Europe. Et toutes ces personnes font le déplacement juste pour ce jeûne que vous voyez là. Il faut dire que c'est des personnes qui ont vraiment à attendre la voix de l'artiste, ont vraiment donné de leur temps. C'est ça. Donc, il faut vraiment leur dire merci. Merci. Parce que quitter la France, quitter la Suisse, quitter l'Angleterre, venir vers juste pour une petite soirée, soutenir un enfant, quelqu'un qui est votre fils, c'est vraiment un grand geste. D'accord. Donc, je leur dis encore merci. En tout cas, les saints de l'Éternel camperont toujours autour de vous, et puis voilà, votre aller-retour, tout est déjà scellé dans le livre de Dieu. Soyez bénis. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons le parrain artistique. Le parrain artistique. De l'artiste qui est ce grand artiste que tout le monde connaît très bien aussi, Paulino Desietti. Ah, d'accord. D'accord. Alors, Paulino Desietti est le parrain artistique de l'artiste La Voix Rodée. Paulino Desietti, c'est un artiste tradit moderne, ouais, un artiste professionnel, un artiste international. Mais allons au-delà, Paulino Desietti est le président des artistes tradit moderne, ouais, du Guémon. Merci beaucoup, Paulino Desietti, pour le temps que tu as accepté, pour le temps disposé, vraiment, pour être le parrain artistique
de l'artiste La Voix Rodé. Merci pour cette bénédiction, merci beaucoup. Alors, oui, pour conclure maintenant, nous avons, disons, le président des artistes du Kamaza, du Kamaza qui est un collectif d'artistes et managers du Zerabaou. Disons, le président des artistes du Kamaza, pas le président du Kamaza qui est Angie. Le président des artistes du Kamaza qui est, comment il s'appelle là, Tiejaï. Tiejaï est le président des artistes du Kamaza. Et ce jour-là, je peux dire, sera là comme un officiel. C'est ça. Voilà, parce que l'artiste, il veut montrer quand même qu'avant lui, il y a eu des grands. Alors là, Tiejaï, on va te recevoir de façon exceptionnelle. C'est que la poche, là, ça doit bourrer. Hein? Parce que là, nous tous, on va te regarder et puis les caméras seront braquées sur toi parce que tu vas rentrer vraiment sur tapis rouge. Voilà. Donc, Tiejaï, mais dans ça aussi, il faut garder pour nous. En plus de Tiejaï, il y a JC Premier aussi. Il vient aussi sur tapis rouge. Oui, sur tapis rouge. JC Premier, tu as entendu, hein? Tu viens sur tapis rouge. Donc, dès que tu rentres là, il faut commencer les travaillements hein, en toute puissance. Là, il y a braqué caméra là, monsieur, vous les artistes qui êtes sur tapis rouge. Ah, là, je fais. Il faut dire que c'est faire de sorte à pouvoir honorer aussi ces artistes. C'est ça. Il ne faudrait pas venir peut-être à la cérémonie de leurs petits frères. C'est il faut, ça. Il ne faudrait pas qu'on les confonde aux artistes. Il faudrait qu'on sache qu'il y a des dévanciers avant que ceux-là même n'arrivent. C'est ça. C'est pourquoi qu'on a décidé de nous donner ces artistes. Merci beaucoup, communicateur. Et là, je rappelle que ici, il s'agit de Moucharaf Flié. C'est ça, Moucharaf Flié de Nizan. Voilà. Non, l'autre là, c'est un peu dur pour moi. Moucharaf Flié. Voilà, qui est le communicateur de l'artiste, chargé vraiment de faire toute une communication autour de l'artiste. Merci beaucoup pour cette volonté que vous avez pour booster la carrière de l'artiste. C'est vraiment une fierté pour nous. Alors, on a dû oublier quelqu'un. D'accord, on revient. Alors, artiste, on va en acapella. On va commencer l'acapella avec maman, la productrice. Voilà. Alors, acapella avec la productrice. J'ai dit, venez, parce qu'il y a des cérémonies des artistes où personne ne vient. Voilà. Parce que ça dépend. Mais cette cérémonie-là, je dis que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il bénisse tous ceux et toutes celles qui viendront à cette cérémonie. Que Dieu fasse en sorte que toutes celles et ceux qui viendront à cette cérémonie-là, quand ils repartiront chez eux-là, que les jours qu'ils viennent soient des jours richement, financièrement bénis. Ça, et là, je vous demande de partager cette émission et puis parler aussi aux uns aux autres. Ça sera une cérémonie. Non, samedi 13 mars 2021, ça sera du balèze. Alors, on va maintenant en acapella avec maman Michel Tawa. Maman Michel Tawa dit à Yunisao, Adio, Yeblo, Dadia, Ah, c'est moi, ça y est, mon gars. Et nous, on va vous dire que t'es ma
Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a samedi 13 mars 2021, de 20h à l'aube, l'entrée c'est 1000 francs seulement au mont Zatro de Yopougon. C'est dans la commune de Yopougon, comme je l'ai dit, non loin de la place CP1. Venez des 10 communes d'Abidjan, des pays, de tous les pays, venez ce jour-là, l'entrée c'est 1000 francs. Venez vraiment, on va danser la nouvelle danse qu'on appelait le Cimentoto. Voilà. Alors, Manadia, je dis Manadia, je vais toujours avec l'artiste La Voix Rodée. Voilà. La Voix Rodée, on va avec Valérie Flore Daer, a cappella. Valérie Flore, dis la voyez, oui, yo, jayo, jayo, jayo. Madame Valérie Flore, dis la voyez, oui, yo, jayo, jayo, jayo. Qui est en train de jouer avec nous, et puis bon, voilà, on va avec Paul-Marie Glacéi, maman Paul-Marie Glacéi. Maman Paul-Marie Glacéi, oui, moi d'ao, et you d'ao, moi d'ao, et you d'ao, moi d'ao, Paul-Marie, you d'ao, oh non, yeah, Kadaka, no, my no, Kadaka, d'avia, yeah. Merci beaucoup. Notre technicien va braquer la caméra vers l'artiste et le communicateur le temps que je me lève pour régler certains détails.